Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en cette belle soirée d'été, même si on n'est pas encore l'été officiellement. 4 juin 2020, une journée formidable. On a eu une journée extraordinaire, 26, 27 degrés. C'est une belle soirée. Demain, il va faire beau. C'est 20h47, heure du Québec. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages. C'est vraiment apprécié, dont celui-là que je vais vous partager, qui est vraiment intéressant parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui s'intéressaient à l'archéologie, entre autres, et aux civilisations anciennes et même extraterrestres. Découverte d'un monument perdu de la première civilisation maya au Mexique. Ça a été publié il y a 5 heures. La Minute Info, ça m'a été partagé par un abonné qu'on salue. La découverte surprenante d'une structure monumentale vieille de 2800 ans à Tabasco, au Mexique, ébranle nos conceptions de la civilisation maya et son émergence en tant que force culturelle. En utilisant une technologie appelée LIDAR, dans laquelle les lasers sont utilisés pour cartographier les caractéristiques de surfaces cachées d'en haut, les archéologues ont découvert une structure monumentale, jusque-là inconnue, sur le site d'Aguada Phoenix au Mexique. Cette plateforme artificielle, vraisemblablement utilisée pour l'astronomie à l'œil nu, est maintenant la plus ancienne et la plus grande structure cérémonielle appartenant à la civilisation maya. Détails de cette découverte remarquable, les détails ont été publiés aujourd'hui dans Nature, la plateforme et ses structures de support, y compris les réservoirs, les chaussées et un pyramonticule moyen ont été trouvés dans les basses terres mayas et le radiocarbone a daté ça d'environ 3000 à 2800 ans. On pense généralement que le développement de la civilisation maya a suivi un processus lent et progressif avec des petits villages émergents entre 2000, il y a 1650 ans, qu'un complexe cérémoniel aussi grand et sophistiqué soit apparu il y a si longtemps est une grande surprise et sa présence précoce remet en question les notions traditionnelles du moment où la civilisation maya a commencé à émerger. En effet, il y a beaucoup à apprendre sur le mois de Mione. Autant de leur héritage, autant que leur héritage reste caché sous une immense couverture d'arbres. Il y a 2 ans, par exemple, une antenne complète a découvert 61 480 000 anciennes structures mayas distinctes dans les forêts tropicales luxuriantes du Guatemala. LIDAR, ce fameux système de radar, de laser, a conduit à des découvertes similaires à Angkor Wat au Cambodge, où le laser pénétrant dans la jungle a découvert une ancienne capitale cachée de l'Empire des Khmers. Dans un article d'accompagnement de Nature News and Views, Patricia McKinney, anthropologue à l'Université de Caroline du Nord, qui n'était pas impliquée dans la nouvelle étude, a déclaré que le fameux LIDAR est devenu un game changer, comme on dit, hein? C'est une nouvelle technologie qui vient changer la donne pour les archéologues dans lequel les données collectées au cours d'un seul vol en avion peut offrir plus d'informations que des décennies d'enquêtes archéologiques traditionnelles sur le terrain. Donc, vraiment extraordinaire. La civilisation maya, comme le suggère cette découverte, a grandi et s'est développée plus rapidement que prévu. La nouvelle recherche taquine également nos conceptions de comment et pourquoi de grandes communautés se forment en premier, avec des anthropologues spéculant sur ce qui est arrivé en premier, la vie stationnaire, dans des logements fixes ou des rassemblements de masse périodiques. Le nouveau document suggère ce dernier, comme l'explique McKinney. Donc, je vous laisserai le lien de ça, c'est vraiment intéressant. Et vous pourrez lire ça. Découverte de monuments perdus de la première civilisation maya au Mexique.